acclamation, ma Jésus. Clap for the Lord Jesus. Avec des cris de joie et de victoire, Jésus. Shouts of joy and victory. Avec des acclamations, Jésus-Christ. With claps. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. The King of kings, the Lord of lords. Acclamation. Clap. Jésus-Christ. Jesus Christ. Mort à la croix du calvaire à Golgotha. Died at the cross at the Calvary of Golgotha. Enseveli. Ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ. 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 Merci. Merci. Thank you. Nous sommes dans une période de prière et de jeûne. We are in a period of prayers and fastings. Une période pendant laquelle nous demandons au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit. A period during which we are asking the Lord to fill us with the Holy Spirit. Si tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit. If you don't know the person of the Holy Spirit. Si tu ne connais pas son œuvre. If you don't know his work. Tu ne peux pas bien prier. You cannot pray well. Quand on en parlera. When we speak about it. Tu n'auras pas de fardeau. Tu n'auras pas de soif. You will not have any burden and any thirst. Tu ne verras aucun intérêt. You will see no interest. Mais ceux qui connaissent la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, but those who know the person, the work of the Holy Spirit, auront une attitude différente. Will have a different behavior. Et pourront élever des prières à Dieu. And will be able to raise prayers to God. Qui vont nous être très salutaires. Which will be for a great salvation for all of us. Quelqu'un lise pour nous. Let someone read for us. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19. In the Acts of Apostles, chapter 19. Verset 1 à 2. 19, verse 1 to 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Amen. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, did you receive the Holy Spirit when you believed? They answered, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. Amen. Ce passage des Saintes Écritures illustre clairement this part of the scriptures illustrate clearly la méconnaissance de la personne du Saint-Esprit et de son œuvre. The fact that people don't know the Holy Spirit and his work. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Have you received the Holy Spirit when you believed? C'est Paul qui pose la question. Is Paul asking people? À un groupe de disciples. To a group of disciples. Qui se réclamaient être des disciples de Jean. People who call themselves being the disciple of John. Leur réponse. Their answer. Nous n'en avons même pas entendu parler. We have never heard about it. On ne nous a jamais dit qu'il y a même un Saint-Esprit. No one told us that there is a Holy Spirit. Beaucoup de frères many brothers ne savent pas qu'il y a même un Saint-Esprit. Don't even know that there is a Holy Spirit. Ceux qui savent qu'il y a un Saint-Esprit those who know that there is a Holy Spirit ne connaissent pas son œuvre. Don't know its work. Ne connaissent pas ses opérations. Qu'est-ce qu'il fait dans une vie quand il arrive? They don't know what he does. What he does in a life when he arrives. Et beaucoup essayent de faire avec leur énergie ce qui est la tâche du Saint-Esprit. And many are trying to do with their own energy what is the task of the Holy Spirit.
Il y a des choses que tu as ratées. There are things that you failed to do. Parce que tu as essayé de les accomplir avec l'énergie. Because you tried to do them with your own energy. Alors que c'est le travail du Saint-Esprit. While it is the work of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit est une promesse de la rédemption. Is a promise of redemption. Dieu n'a pas conçu le plan de rédemption. God did not work the plan for redemption. Sans l'intervention du Saint-Esprit. Without the intervention of the Holy Spirit. Il n'y a pas une rédemption sans l'intervention du Saint-Esprit. There is no redemption without the intervention of the Holy Spirit. La rédemption est une œuvre de puissance. Redemption is a work of power. C'est une guerre. It's a war. Contre le péché. Against sin. Et contre les démons. And against the demons. Contre le diable. And against the devil. Contre le monde des ténèbres. Against the work of the world of darkness. Contre les trônes. Against the thrones. Les puissances. The powers. Les pouvoirs. The powers. Les dignités. And the dignities. Nous aurons un jour à parler de ça. One day we'll talk about it. Nous parlons beaucoup de principautés. We talk about lot about principalities démons. And demons. Il faudra qu'on parle de dignité, de trône, de puissance, de pouvoir. It takes that we talk about dignities, thrones, powers. Ça représente quoi? What does it represent? Mais aujourd'hui, but today, nous allons nous exhorter à connaître le Saint-Esprit. We are going to advise to advise each other to à know the Holy sa Spirit. Personne. To know the person of the Holy Spirit. À connaître son ministère, son œuvre. And to know its work, its ministry. Lis pour nous Jean chapitre 3 verset 1 à 6. Read for us John chapter 3 verse 1 to 6. Mais il y eut un homme donc les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. Amen. Lis le verset 8. Read verse 8. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. The wind blows wherever he pleases. Et tu en entends le bruit. Et tu en entends le bruit. You hear his sound. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Mais tu ne sais d'où il vient mais où il va. But you cannot tell where it comes from or where it's going. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. So it is with everyone born of a spirit. Quand le Saint-Esprit when est en the toi, Holy Spirit is in you, tu as l'autorité sur la chair. You have authority on the flesh. Ce qui est né de la chair est chair. What is born from flesh is flesh. Ce qui est né de l'esprit
What is born from the spirit is spirit. L'homme spirituel, the spiritual man, l'homme rempli du Saint-Esprit, the man filled with the Holy Spirit, va où il veut. Goes where he wants. Il est comme le vent. He is like the wind. Le Saint-Esprit donne le pouvoir de vouloir et le pouvoir de faire. The Holy Spirit gives the power to will and the power to do. Lis Ézéchiel chapitre 36 verset 26 et 27. Read Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. I will put my spirit in you. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, dans la rédemption, so in the redemption, Dieu a prévu qu'il allait mettre en nous son God esprit. Had planned that he will put in us his spirit. Pour provoquer l'obéissance. To trigger the obedience. Et pour rendre possible notre obéissance. To make our obedience possible. Pour venir dans ce monde. To come in this world. Le Seigneur Jésus. The Lord Jesus. Est venu à travers une vierge. Came toward a virgin. Qui a conçu par la puissance du Saint-Esprit. Which who conceived by the power of the Holy Spirit. Nous-mêmes, pour devenir des enfants de Dieu, to become the children of God, nous le sommes devenus par la puissance du Saint-Esprit, comme nous avons lu dans Jean 3. We became it by the power of the Holy Spirit, as we read in John chapter 3. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. We are born with the Spirit of God. Nous avons besoin du Saint-Esprit. We need the Holy Spirit. Chaque jour, every day, dans la plénitude, in the fullness, je mettrai mon esprit en vous. I will put my spirit in you. Envisager quelque chose de différent de ce que la rédemption nous propose, c'est si nous désirons quelque chose d'autre. By desiring something different from what, différent de ce que la rédemption nous propose. From what redemption is telling us. C'est-à-dire qu'un salut qui vient du Saint-Esprit de Dieu. It means a salvation which comes from the Holy Spirit of God. De la nouvelle naissance. The new birth. Quelque chose va manquer. Something will miss. Nous croyons que Dieu existe. We believe that God exists. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. That he is the one who rewards people who seek him. Nous devons aussi croire que le Saint-Esprit existe. We must also believe that the Holy Spirit exists. C'est lui le dispensateur de tous les dons spirituels. He is the one giving all the spiritual gifts. C'est lui qui rend fort. He is the one who makes people strong. C'est lui qui rend sage. He's the one who makes people wise. C'est lui qui rend intelligent. He makes people intelligent. C'est lui qui révèle à l'homme les pensées de Dieu. He's the one who reveals to human being God's thoughts. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Lis. Read for us. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Amen. Continue. Dieu nous les a. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc les choses cachées. So the hidden things, dans le dessein éternel de Dieu, in the eternal purposes les, of God, les mystères de Dieu, les grands mystères de Dieu, the great mysteries of God, nous sont expliqués, nous sont révélés par le Saint-Esprit qui habite en nous. I explain to us, I reveal to us by the Holy Spirit dwelling in us. Lis à nouveau. Read it again. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses
que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. God revealed them to us through His Spirit. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout. The Spirit checks everything. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Even the depth of God. Donc quand il t'habite, so when it dwells in you, tu as une intuition. You have an intuition de la pensée de Christ. Of Christ's thought. Même étant dans la chair là, even being in your flesh, tu as en toi la pensée de Christ. You have in you the thought of Christ. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Because the Holy Spirit dwells in you. Il y a des choses que tu ne feras jamais. There are things you will never do. Si tu essayes, even if you try, il te forme. The Holy Spirit show you intuitivement que c'est pas bon. That intuitively that it's not good. Et tu laisses. And you stop. Lui seul dirige toute l'humanité. He alone lead the whole human beings. Il est en contact même avec l'esprit des païens. He has a contact even with the spirit of pagans. C'est lui qui convainc du péché. He is the one who convinces of sin. C'est lui qui convainc de la justice. He is the one who convinces of justice. C'est lui qui convainc du jugement. He is the one who convinces of judgment. Il peut t'exhorter là où aucun homme ne peut t'exhorter. He can advise you where no one can. Il y a des choses que tu ne fais pas parce que c'est lui seul qui t'a dit stop. There are things that you don't know because he is only he who told you to stop. Il provoque en toi des saintes incitations. He triggers in you the holy incitations. Et ça te rend obéissant spontanément. And it makes you spontaneously obedient. Ça te délivre de la faiblesse. It delivers you from weakness. L'homme qui est né de l'esprit est comme le vent. Le vent souffle où il veut. The one who is born with the Holy Spirit is like the wind, and the wind blows where it pleases. Une église remplie du Saint-Esprit n'aura pas d'inspecteur pour regarder, contrôler les marches. A church filled with the Holy Spirit don't need supervisors to check the works of people. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, when the Holy Spirit is not there, on aura, passe comme ça, passe comme ça. We'll have. Non. Go that side. No. Allons. Let's go. Vite. Okay. Et quand on te laisse, as soon as I leave you, tu tombes. You fall. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc c'est une période à prendre au sérieux. So it's a period to take seriously. Il y a une pensée qui m'habite. There's a thought in my mind. Quelque chose me dit qu'il y a des frères qui pensent que c'est progressivement qu'on sera revêtu et au dernier jour, 40e jour, boum, et puis il y a plénitude, et puis il y a Pentecôte. Non, tu peux entrer dans cette vie en une fraction de seconde, tu es déjà rempli du Saint-Esprit. There is a thought in my mind, there is something which tells me that there are brothers who believe that it's progressively that you can be filled with the Holy Spirit. No, you can go through this experience at one time. Si tu remplis les conditions, toi seul dans cette salle, tu seras rempli. If you fulfill the conditions in this hall, you will be filled. Ce n'est pas graduellement. It is not gradually. On dit on renverse les idoles, une idole. They say deux you idoles, overthrow the idols. Idoles. One idol. Quatre two, idoles. Four. Et puis on dit on revient demain. And we say that I will come back tomorrow. C'est-à-dire, ton cœur, your heart, bascule seulement, blows everywhere. Tu es un autre homme. Tu es un autre homme. Your heart just turn, and you are another man. Tu peux être assis là où tu es là. You can be sitting where you are. Tu dis à Dieu. You tell God. J'ai compris. I've understood. Bam, il te remplit. And he fills you on the spot. Parce qu'il sait quand tu hésitais, quand tu faisais un pas devant, un pas derrière, il te voit. But the time you were hesitating, going forward and back, il connaît tes projets, you. Il sait là où tu veux aller. He knows your project. He knows where you want to go. Et il est en contestation avec toi.
And he is arguing with you. Il y a en toi le oui et le non. There is in you the yes and the no. Et il ne te laisse pas. And he's not leaving you alone. Il ne te laisse pas. He's not leaving you alone. Il travaille comme Jésus. He works like Jesus. Parce qu'il est l'esprit de Jésus. Because he is the spirit of Jesus. Il est écrit que Jésus ne se découragera jamais. It is written that Jesus will never be disappointed. Jusqu'à ce qu'il fasse triompher la justice. Till he make the just triumph. Et le droit. And the right. Mais si tu laisses le Saint-Esprit te vaincre. But if you let the Holy Spirit overcome you. C'est toi qui gagnes. You are the winner. Alléluia. Amen. C'est toi qui gagnes. You are the winner. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Verset 28 et 29. Verse 28 to 29. Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Ça, c'est l'une des grandes promesses de la parole de Dieu. This is one of the great promises of the word of God. Je répandrai mon esprit sur toute chair. I will spread my spirit on any flesh. C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre disait, c'est la promesse est à vous. This is why Apostle Peter said, the promise is for you. Et à ceux qui sont au loin. And for those who are far. En aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu appellera. As numerous as the Lord our God will call them. La promesse est pour vous. The promise is for you. It's a promise. Je répandrai mon esprit sur toute chair, sans exception. I will spread my spirit on any flesh without exception. Si tu es né de l'alliance, if you are born de l'œuvre de Jésus, with the work of Jesus, c'est-à-dire un salut que tu reçois par grâce au moyen de ta foi. It means a salvation that you receive by grace as means of your faith. Le Saint-Esprit te sera donné. Dieu te donne ça gratuitement. The Holy Spirit will be given to you. God gives it to you for free. Quand on dit que Dieu donne, c'est-à-dire Dieu fait de toi une habitation de son esprit. It means God makes of you a dwelling of his Holy Spirit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. I will spread my spirit on any flesh. La promesse est là. The promise is there. Lis Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Romans chapter 8, verses 26 and 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. In the same way, the Holy Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Amen. La plénitude du Saint-Esprit, the fullness of the Holy Spirit, peut changer cette croisade, peut la transformer en quelque chose de glorieux. Can reform this crusade into something of glorious. Comment? How? C'est une croisade de prières, de jeûne et de prières. It's a crusade of fasting and prayers. D'abord, pour jeûner, il faut la puissance. First, to fast, you need power. Sur ton estomac. On your stomach. Les païens disent que ventre affamé n'a point d'oreille. Pagans say that an empty stomach has no ears. Le Saint-Esprit brise cet adage. The Holy Spirit breaks these sayings. Tu vas gêner, mais l'oreille, il y aura les oreilles. You will fast and they will have ears. Amen. Amen. Deux. Second. Le Saint-Esprit va prier pour nous. The Holy Spirit will pray for us. Il nous habite. He dwells in us. Si tu restes calme. If you keep quiet, you stay cool. Tu peux interpréter ses soupirs.
you can interpret his words. Frère, j'ai connu une expérience quand j'étais jeune converti. Brothers, I went through an experience when I was a young converted. Je priais beaucoup. I used to pray a lot. Je pouvais fermer la porte, je restais toute la journée à genoux. I could lock the door and stay all the day on my knees. Je prie, je reste calme. I pray and I stay calm. Je prie, je suis là, calme. I pray and I am there, calm. Et j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit dans ma chambre. And I was baptized with the Holy Spirit in my bedroom. C'est pour cette raison que je pratique beaucoup le baptême du Saint-Esprit. De cet esprit sans toucher les gens. This is why most of the time I lead people into the baptism of the Holy Spirit without touching people. Je crois que sans secouer quelqu'un, l'esprit peut descendre et parler en langue. I believe that without shaking someone, the Holy Spirit can come on him. Un jour, one day, notre dirigeant avait demandé qu'on bénisse les frères. Our leader asked us to bless the brothers. Donc je me suis levé. So I got up. J'ai imposé les mains sur un frère. I laid my hand on a brother. Je me suis mis à parler en langue. I start speaking in tongues. Je sentais les pleurs, ce qu'on appelle les lamentations, dans mon âme. I could hear the weeps. Il y avait la pitié. What is called lamentation? There was pity. Je voulais arrêter, ça ne faisait que continuer. I want to stop, but it was just going on. Quand j'ai fini, je demande au frère que quel est ton problème? Pourquoi le Saint-Esprit se lamente? When I finish, I ask the brother, what is your problem? Why is the Holy Spirit crying? Il m'a raconté une histoire. He told me a story. Le gars était beau. The man was beautiful. Il était en prison. He was in prison. Et il y avait une responsable des affaires sociales qui l'a repéré en prison. There was a responsible over there, a civil servant over there, who saw him in prison. Il est un enfant de Dieu. He's a child of God. Et la femme l'a sorti de la prison. And the lady got him out of the prison. Pour être son compagnon de péché. To become his his sin partner. Mais il vient à l'assemblée régulièrement. He is always at the church, at the house church. Alors qu'il était esclave sexuel. While he was a sexual slave. Dès que je l'ai touché. As soon as I touched him. Les lamentations, c'est-à-dire ce qu'on appelle les soupirs, les pleurs. J'étais nouveau. Cries, weepings. Je ne connaissais pas les choses spirituelles. I didn't know spiritual things. Sinon, j'allais prophétiser sur lui ce jour-là. Otherwise, I would have prophesied on him this day. L'Esprit nous aide dans nos prières. The Holy Spirit helps us in our prayers. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà expérimenté ça. I know that many of you have already experienced. La vérité, c'est que ce sont des positions spirituelles qu'il faut conserver. The truth is, there are spiritual positions that you must keep. Parce qu'il est écrit. Because written, n'éteignez pas l'esprit. Do not quench the Holy Spirit. On peut éteindre l'esprit. You can quench the Spirit. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Do not sadden the Spirit. On peut attrister le Saint-Esprit. You can sadden the Spirit. Par la désobéissance. By disobedience. Par la rébellion. By rebellion. Par le manque d'amour. By the lack of love. Parce que le Saint-Esprit. Because the Holy Spirit, c'est aussi l'esprit de la communion avec Dieu et la communion avec les frères. Is also the spirit of the fellowship with God. Il dit que nous avons été abreuvés et nous avons été baptisés. God, it is written that we have been watered and we have been baptized. Baptisés dans le corps de Christ. Baptized in the body of Christ. Et dans le même esprit. And in the same spirit. De telle sorte que quand tu n'aimes pas les frères, so that if you don't love your brothers, tu as déjà violé l'alliance. You have already violated the covenant. Tu as brisé l'alliance. You have broken the covenant. Et l'apôtre Jean dit, and Apostle John says, celui qui n'aime pas les frères est mort. Il est mort. The one who doesn't love brothers is already dead. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. And the Spirit of God is not in you. Il y a des gens qui aiment les querelles. Attention.
There are people who like quarrels. Please. Attention. Please. Il faut être en communion avec Dieu. You must be in fellowship with God. À travers le Saint-Esprit. Through the Holy Spirit. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est le Saint-Esprit qui donne, qui encourage, qui console. It's the Holy Spirit who encourage and comfort. Jean chapitre 16, verset 7 à 14. John chapter 16, verset 7 to 14. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. About judgment, because the prince of the world now stands condemned. I have much more to say to you. More than you can now bear. But when he, the Holy Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you. Amen. Alleluia. Amen. Le Saint-Esprit fortifie l'homme intérieur. The Holy Spirit strengthens the inner being. Il affermit l'âme de l'homme. He strengthens the soul of man. Il console l'homme. He comforts man. Il lui dit courage. He tells him, vas-y. Be courageous. Courage. Go. Vas-y. Be courageous. Go. Quand il y a les calamités. When there are calamité, la détresse. When there are calamities, distress, et les détresses, and distress, il te dit, tiens ferme. He asks you stronghold. Ton père est avec toi. Hold strong. Your father is tu with you. Tu n'es pas seul. You are not alone. Les gens régulièrement découragés. People who are all time discouraged. Sont des gens qui manquent de plénitude du Saint-Esprit. Are people who lack of fullness of the Holy Spirit. Si tu vois quelqu'un qui est découragé d'une manière démoniaque, if il n'y a pas de plénitude du Saint-Esprit. If you see someone who is disappointed in a devilish way, it means that he is not filled with the Holy Spirit. Les pensées comme les pensées de suicide. The thought like the thoughts of suicide. Un croyant qui pense au suicide. A believer who think about suicide. Ça veut dire qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. It means that he is not filled with the Holy Spirit. Dans les pulsions de mort so montent de son subconscient et veulent se manifester. The pulses of death came from his mind and is filling him. Le Saint-Esprit domine sur tous les mauvais sentiments. The Holy Spirit rules over all the bad thoughts. C'est pour cette raison qu'il est dit que si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons jamais les œuvres de la chair. This is why it is said that if you walk with the Holy Spirit, you will never do the work of the flesh. C'est une période. It's a period que le Seigneur nous donne pour prier.
The Lord is giving us to pray. Pour demander au Saint-Esprit de venir avec nous. To ask the Holy Spirit to come with us. De nous remplir. To fill us. Et écoutez. Please listen. De même que tu adresses les prières à Dieu. The same way you address your prayers to God. Tu peux adresser des prières au Saint-Esprit. You will tell, you will address your prayers to the Holy Spirit. Tu peux dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. You will tell the Holy Spirit, I need you. Le psaume, lis pour nous le psaume 42, verset 3. Read for us Psalm 42, verse 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Oui, tu peux dire la même chose au Saint-Esprit. Oui, lis you can say the same thing to the Holy Spirit. Psalms 42, verse 2. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Amen. Amen. Dis, oh Saint-Esprit. Say, oh Holy Spirit. Mon âme a soif de toi. My soul is thirsty of you. Lis dans Luc chapitre 24. Read in Luke chapter 24. Lis le verset 28 et 29. Verse 28 and 29. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, les deux disciples qui rétrogradaient pour aller à Emmaüs, the two disciples who were backsliding to go to Emmaüs, ils ont rencontré Jésus. They met Jesus. Et Jésus s'est mis à causer avec eux. And Jesus started chatting with them. Lis. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant. Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Amen. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going farther. They urged him strongly, stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over. So he went into to stay with them. Amen. Ici, here, c'est une prière à Jésus. It's a prayer to Jesus. Reste avec nous. Stay with us. Reste avec nous. Stay with us. Tu peux dire au Saint-Esprit. You can tell the Holy Spirit. Accompagne-moi à l'évangélisation. See me off. Allons. For the evangelization. Viens avec moi. Come with me. Remplis-moi. Fill me. Tu peux dire, donne-moi le don de vision. You can tell him, give me the gift for vision. Tu peux lui dire, renouvelle mon parler en langue. You can tell him, renew my speaking of tongues. Il faut une communion avec le Saint-Esprit. You can have a fellowship with the Holy Spirit. Si tu pries Dieu, if you pray God, tu peux prier le Fils. You can pray the Son. Tu peux prier le Saint-Esprit. You can pray the Holy Spirit. C'est la même chose. It's the same. Oh Saint-Esprit. Oh Holy Spirit. Ne me laisse pas seul. Don't let me alone. Donne-moi la victoire sur ce démon. Give me the victory on this demon. Donne-moi la victoire sur ce démon. Give me the victory on this demon. Accomplis ce qui est écrit dans Isaïe 59. Lis Isaïe 59. For me, what is written 19. In Isaiah 59. Isaïe 59 verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et sa gloire, depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, when the enemy will come like lake, l'Esprit de l'Éternel le mettra the en fuite. Spirit of eternal, dis, oh Saint-Esprit, c'est Holy Spirit. Accomplis. Do for me. Ce qui est écrit dans Isaïe 59, verset 19. Accomplis-le, accomplis-le. Do it for me. Contre ce mari de nuit. Against this spiritual man, husband. Mais quand on ne le connaît pas, but when we don't know him, on subit les oppressions. We just go through oppressions. On a l'impression qu'il n'y a pas de solution. We have the impression that there is no solution. On est limité dans la prière. On est limité. Il manque des mots. You are limited in the prayers. There are words which miss. C'est comme si on t'a déjà cerné de toutes parts. It's like they are surrounding you. Saint-Esprit. Holy Spirit. Il est écrit. It is written. Que quand l'ennemi viendra comme un fleuve. That when the enemy will come like a lake. Tu le mettras en fuite. You will chase him out. Tu dis Saint-Esprit, le voilà. And you say, this is him. Le voilà qui s'organise contre moi.
See him, he is organizing himself against me. Mets-le en fuite. Chase him away. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Est la troisième personne de la Trinité divine. Is the third person of a divine trinity. Il parle, he speaks, il montre, he speaks, he shows, he hears, il voit, il guide. He sees, he saw, he see, he guides. Il délivre, il sauve. He delivers, he saves. Alléluia. Amen. Il a délivré Samson des liens. He delivered Samson from his ties. Lis dans Juges chapitre 15. Read in Judges chapter 15. 14 à 16. 14 to 16. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Amen. Alléluia. Amen. Les Philistins voulaient tuer Samson. Philistines wanted to kill Samson. Parce qu'il les avait punis. Because he punished them. En brûlant leurs champs. By burning their fields. Et ils ont dit aux enfants d'Israël, livrez-nous cet homme-là. And they told the children of Israel, give us this man. Et les enfants d'Israël qui avaient peur. And the children of Israel who were scared. Ont saisi Samson, ils ont lié. They took Samson and they bound him. Ils sont partis le livrer aux Philistins. And gave him to the Philistines. Dès qu'ils ont vu Samson lié. Well, as soon as they saw Samson bound, ils criaient de joie. They were shouting with joy. L'Esprit de Dieu est descendu sur Samson. The Spirit of God came on Samson. Les liens se sont brûlés. The ropes were burned. Acclamons le Saint-Esprit. Let's clap for the Lord. Alléluia. Amen. L'Esprit est descendu sur lui. The Spirit came on him. Les liens, ils voyaient les liens brûler comme si on they a mis le feu. The ropes burning. Il était libre. And he was free. Il a tendu la main. He lay his hands. Il avait une mâchoire d'âne. There is a jaw of a donkey. Il a fait un seul tour. He just make only one turn. 1000 cadavres. Thousands of corpses. Acclamons le Seigneur. Let's clap for the Lord. Ça va nous arriver. That will happen to us. Ça va nous arriver. It will happen to us. Une mâchoire d'âne. A jaw of donkey. 1000 démons en terre. Thousands of demons down. Dis, oh Saint-Esprit. Say, oh Holy Spirit. Reste en nous. Stay in us. Reste sur nous. Stay on us. Reste au milieu de nous. Stay in our midst. Ce sont les trois positions du Saint-Esprit. These are the three positions of the Holy Spirit. Il est en nous. He is in us. Il est sur nous. He is on us. Et il est au milieu de nous. In our midst. Il est au milieu de nous. He is in our midst. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Seigneur Jésus. Merci infiniment d'être que tu es monté au ciel et fait descendre le Saint-Esprit afin que nous travaillions comme tu le veux sur la terre. Fais ton œuvre. Tu nous as tout donné en mettant le Saint-Esprit en nous. Père Saint et Père Juste, nous savons comment te dire merci. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus. Amen. D'autres personnes viennent prier. Ça, on ne doit pas passer comme ça. Let some of the people je vous ai dit que ce n'est pas graduel. I told you that it's not gradually. Tu peux tout ramasser ce soir. You can collect everything tonight. Si tu es sage. If you are wise. Père, nous te rendons grâce, Éternel, parce que tu es saint. Saint, saint, saint est ton nom. Je veux bénir ton Seigneur parce que tu es Dieu, ô Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous donnes de remplir de toi, Seigneur. Ton esprit qui console, qui guérit, sois béni, Éternel. Au nom de Christ. Amen. Merci de lever le voile sur micro. La personne du Saint-Esprit. Le besoin de la voix, de marcher, étant rempli du Saint-Esprit. Merci de lever le voile sur les œuvres du Saint-Esprit. Et le besoin de connaître Dieu qui n'est possible que par la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, je te rends grâce. Et je prie, Seigneur,
Oh Dieu, que cette fin du Saint-Esprit, oh Seigneur, que tu es en train de creuser en nous, Seigneur, ne nous quitte pas, Seigneur. Et je prie que la foi, oh, que tu voudrais que nous cessions cette nuit, que le Saint-Esprit, c'est une question de secondes. Et je prie, oh Dieu Tout-Puissant, que tu nous exauces pendant que nous nous ouvrons à toi, Seigneur. Et que l'Esprit de Dieu qui a été mis de côté au bénéfice du calcul, oh Seigneur des expériences, Seigneur des sentiments, oh Seigneur éternel, oh Seigneur, que ta main, Seigneur, qui est à l'œuvre pour combattre ces choses, Seigneur, réussisse à atteindre son but cette nuit. Et que l'Esprit de Dieu reprenne sa place pleinement en nous et dans nos vies. Et dans ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ta parole, pour la lumière que tu envoies, Seigneur, pour chasser les ténèbres de l'ignorance. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles clairement de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, pendant que tu envoies ta lumière, que nous puissions saisir, oh Seigneur, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, de manière, Seigneur, à ce que le désir de voir le Saint-Esprit agir en nous, nous remplir, se saisisse de chacun de nous. Oh notre Dieu, s'il te plaît, de manière à nous permettre de coopérer avec toi pour expérimenter cette plénitude en une fraction de seconde. Merci parce que tu nous dis que cela ne se fait pas graduellement, mais qu'en une fraction de seconde, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, pourvu que nous remplissions les conditions. Oh Père, donne à chacun de remplir ces conditions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Père, parce que tu nous rappelles en ce soir que le Saint-Esprit, il est en nous, il est au-dessus de nous. Oh Seigneur, nous te bénissons, parce que tu viens de nous éclairer, oh Seigneur, nous étions aveugles, Père. Tu nous ouvres les yeux et nous savons maintenant que nous n'avons pas besoin d'attendre 40 jours de jeûne pour être baptisés, oh Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, que chaque jour, même chaque frère sera rempli du Saint-Esprit. Père, sois béni, béni, béni pour cette révélation, Seigneur, parce que tu viens de m'ouvrir pleinement les yeux. Reçois tout l'honneur et l'élévation et bénis chaque frère ici avec le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. C'est toi, Seigneur, c'est toi, notre Dieu. C'est toi, tu n'abandonnes pas tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous dire, tu es avec nous. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est en nous tout le temps, Seigneur. Merci parce que tu es un ami. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Le jour, rien ne va, Seigneur. Tu es avec nous. Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le merveilleux Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour ces révélations de ta présence, Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi la grâce. Fais-moi la grâce, Seigneur, de ne plus oublier. Oh Seigneur, oh mes yeux aujourd'hui, regarde, mes yeux sont tombés pour voir le Saint-Esprit auprès de nous. Le jour où tu l'appelles, il est là. À tel moment tu l'appelles, il est là. Seigneur, fais croire. Seigneur, merci parce que regarde, nos yeux sont tombés. Seigneur, je prie pour moi. Je prie pour chaque frère, Seigneur. Père, nous pouvons remplir du Saint-Esprit à tout moment, à tout second. Père, la gloire, l'honneur, l'ovation te revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous voulons te dire merci ce soir de ce que tu viens et tu vis en nous, de ce que tu remplisses, ô éternel notre Père, ton peuple que nous sommes, de ce que tu changes notre compréhension, ô éternel notre Père, de ce que tu changes notre marche avec toi au travail du Saint-Esprit, de ce que tu nous utilises puissamment, ô éternel notre Dieu, notre Roi. Père, que Pentecôte, ô Seigneur notre Dieu, soit en branle dans la vie de chacun. Que tu te glorifies dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton église. Et qu'éternel notre Dieu, notre Roi, oui, des visions soient pour tes serviteurs, des prophéties soient pour tes serviteurs, des songes soient pour tes serviteurs. Et que ta gloire marche de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles l'existence du Saint-Esprit. Père, nous savons que le Saint-Esprit existe, mais moi personnellement, j'avais oublié, ô notre Dieu. Père,
nous avons pris de l'énergie, Seigneur. Nous avons gaspillé de l'énergie. Pourtant, le Saint-Esprit était là pour accomplir, ô notre Dieu, les tâches que nous avons accomplies, Seigneur. Ô Père éternel, maintenant que tu as fait tomber les écailles de nos yeux, donne-nous la puissance de nous saisir, ô notre Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous, ô notre Dieu, de travailler de sorte à ce que le Saint-Esprit soit avec nous partout, en tout, Seigneur. Nous t'en supplions. Donne-nous, notre Dieu, de travailler très dur, ô notre Dieu, sur nous-mêmes, sur notre personne, ô notre Dieu, pour que le Saint-Esprit vienne avec nous pour renverser les barrières, briser les obstacles, notre Dieu, pour combattre là où nous ne pouvons même pas combattre, Seigneur. Nous t'en supplions, fais-le. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oh Père, je veux te dire merci, Seigneur, pour cette belle révélation, oh Seigneur, que tu m'as fait connaître ce soir. Seigneur, merci, oh Père éternel des armées, d'avoir fait tomber les écailles de mes yeux, Seigneur. Je ne savais pas qu'il fallait prier le Saint-Esprit comme on prie le Seigneur Jésus. Merci, oh Père éternel des armées, car ce soir, oh Seigneur, tu t'as débordé mon cœur de joie. Je suis heureuse, Seigneur. Cette révélation, oh Seigneur, donne de la joie dans mon cœur, dans mon âme, oh Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment pour ce beau message. Merci de nous faire savoir que nous pouvons partir d'ici et être remplis à débordement du Saint-Esprit. Merci infiniment, oh Père, pour cette révélation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux me repentir, ô Saint-Esprit, parce que je t'ai mis à l'écart dans mes combats. Je t'ai mis à l'écart dans ma marche. Je ne t'ai pas considéré. J'ai cru que j'étais différent de Dieu. Quand tu m'as dit, selon ce que Paul avait dit à Timothée, Timothée, prends ta source dans la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Dans la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Je n'avais pas compris cette partie, cette portion de la parole. Mais ce soir, Père, je comprends que cette source que nous devons puiser dans la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ta source qui console. C'est ta source qui donne la vie. C'est ta source qui relève. C'est ta source qui nous accompagne partout dans les moments difficiles. C'est ta source qui nous donne des conseils. C'est toi, Saint-Esprit. Tu viens de faire tomber les écailles de mes yeux ce soir. Je vais simplement te dire merci. Et je comprends maintenant que tu es là et tu es présent. Toutes les fois, je ne manquerai pas de t'inviter, de t'appeler. Toutes les fois, je ne manquerai pas de marcher avec toi, ô Saint-Esprit. Tu es une partie de Dieu, tu es Dieu. Je veux bénir, je veux te bénir ce soir. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a révélé que tu es Dieu. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci de ce que tu éclaires encore les intelligences, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu ouvres notre intelligence pour comprendre, Seigneur, que cette question du Saint-Esprit n'est pas une question de graduation, Père éternel. C'est un travail sur toi-même, Seigneur, afin d'être disposé, Seigneur, à recevoir le Saint-Esprit à n'importe quel moment. Oh, Père éternel, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu m'accordes ta grâce, Seigneur. Moi-même, Père éternel, afin d'être disposé, Père éternel, à recevoir Seigneur, en une fraction de seconde. Seigneur, de recevoir Père éternel, en un moment. Nous demandons ta miséricorde. Amen. Oh Père, je bénis ton nom pour ce soir. Je te dis merci pour cette révélation. Je me repens, oh, de t'avoir attristé, Saint-Esprit. Je me repens. Oh, pour toutes les fois où j'ai fourni mes propres efforts, oh, tu es là. Je me repens, Saint-Esprit, de t'avoir attristé. Je me repens devant de toi. Merci pour cette révélation. Merci, oh, Saint-Esprit, je te dis merci. Je te dis merci. Merci. Pour cette délivrance de ce soir. Longtemps j'agis de moi-même, mais ce soir tu me dis,
c'est fini, je suis là. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Remplis-moi ce soir, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que je suis là, et je serai toujours là. Je serai toujours. Je serai toujours là. Suivez mes instructions. Soyez à l'écoute. Soyez concentrés. Ne doutez pas. Je marcherai toujours avec vous. Parce que vous êtes là. Vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants. Ne doutez pas. Vous êtes mes enfants. Suivez mes instructions. Suivez mes instructions. Mon œuvre à vous va continuer. Mon œuvre à vous va continuer. Elle ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce que Jésus revienne. Écoutez mes instructions. Suivez strictement mes instructions. Je suis là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen. Reste concentré. Stay focused. Est-ce qu'il y a un domaine où Dieu, un domaine de ta vie où Dieu demande l'obéissance? Is there a field in your life where God is asking you obedience? Tu peux profiter. You can take advantage. Tu peux céder. And you can obey God. Tu peux lui dire j'accepte. You can tell him I accept. Et tu rentres plein. And you go home filled. Joyeux. Joyful. Que chacun parle à Dieu. Let everyone talk to God. Ce n'est pas une exhortation qui doit rester théorique. It is not an advice which must stay theoretical. Il faut répondre. You must reply. Tenons-nous debout. Please let's stand up. Nous allons chanter l'hymne de la croisade. We'll sing the hymn of the crusade. Tu restes dans l'esprit de prière. You stay in the spirit of prayer. Oh, l'Esprit Saint est là. La victoire est totale. Quand l'Esprit Saint est là, l'ennemi est mis en déroute. Quand l'Esprit Saint est là, nous sommes pleins de force, remplis de sagesse. Capable de tout, quand il est là, quand l'Esprit Saint est là, la victoire est totale. Quand l'Esprit Saint est là, l'ennemi est mis en déroute. Quand l'Esprit Saint est là, nous sommes pleins de force, remplis de sagesse. Quand il est là, quand l'Esprit Saint est là, quand il est là, la victoire est totale, la victoire est totale. Quand l'Esprit Saint est là, quand il est là, l'ennemi est mis en déroute, en déroute. Quand l'Esprit Saint est là, quand il est là, nous sommes pleins de force, nous sommes pleins de force, remplis de sagesse. Quand l'Esprit est là, quand l'Esprit Saint est là, quand il est là, la victoire est totale, victoire est totale. Quand l'Esprit Saint est là, quand il est là, l'ennemi est mis en déroute, en déroute. Quand l'Esprit Saint est là, quand il est là, nous sommes pleins de force, nous sommes pleins
de force, rempli de sagesse, capable de tout. Esclave du péché, esclave du moi, accomplissant ce que je ne veux pas. Mais Dieu a envoyé l'Esprit Saint au cœur de la bataille. Et lui en moi, la chair n'a plus de pouvoir sur moi. Quand l'Esprit Saint est là, quand il est là, la victoire est totale. Quand l'Esprit Saint est là, quand il est là, il est là, nous sommes pleins de force, remplis de sagesse, capable de tout. Nos désirs sont bien là, contraires à ceux de l'esprit. Chaque instant de chaque jour, ces désirs nous agissent. Mais Dieu a envoyé l'Esprit Saint au cœur de la bataille. Et lui en moi, la chair n'a plus de pouvoir sur moi. L'Esprit Saint est là. Quand il est là, ta victoire est totale. L'Esprit Saint est là. Quand il est là, de force, rempli de sagesse, capable de tout. Sur le chemin étroit, nous sommes souvent tentés et parfois vaincus par les convoitises de la chair. Mais Dieu a envoyé l'Esprit Saint au cœur de la bataille. Et lui en moi, la chair n'a plus de pouvoir sur moi. Quand l'Esprit Saint est là, la victoire est totale. Quand l'Esprit Saint est là, quand il est là, Dieu donne l'Esprit Saint à celui qui le demande. Dieu donne sa puissance à celui qui a faim et soif. Dieu donne l'Esprit Saint et lui en moi. La chaîne de pouvoir sur moi. Quand l'Esprit Saint est là, la victoire est totale. Quand l'Esprit Saint est là, l'ennemi est mis en déroute. Quand l'Esprit Saint est là, nous sommes pleins de force, remplis de sagesse, capable de tout. À vous les frères, quand il est là, quand il est là, la victoire est totale. Quand il est là, on déroute. Quand il est là, nous sommes pleins de force, capables de tout. Encore plus fort, quand l'Esprit Saint est là, la victoire est totale. Quand l'Esprit Saint est là, l'ennemi est mis en déroute. Quand l'Esprit Saint est là, sans plein de force,
de sagesse, capable de tout. Oui, quand l'Esprit Saint est là, la victoire est totale. Quand l'Esprit Saint est là, l'ennemi est mis en déroute. Quand l'Esprit Saint est là, nous sommes pleins de force, remplis de sagesse, capable de tout. Quand l'Esprit Saint est là, acclamation à Jésus-Christ. Dis, je ne suis plus le même. Say, I am no more the same. Je ne suis plus le même. I am no more the same. J'ai cédé. I have accepted. J'ai cédé. I have accepted. Merci Seigneur. Reste rempli du Saint-Esprit. Stay filled with the Holy Spirit. Qu'aucun voleur ne te touche. Que ton trésor soit caché dans le sang de Jésus. May your treasure be hidden in the blood of Jesus Christ. Que les yeux qui ont été lavés contemplent la gloire du Saint-Esprit. May your hearts which have been washed contemplate the glory of the Holy Spirit. Qu'il la contemple en toi. Let it contemplate it in you. Qu'il la contemple sur toi. Let it contemplate it on you. Qu'il la contemple au milieu de nous. Let it contemplate it in our midst. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen.